Il y a une chose que les gens disent souvent à propos de Calais. Quand vous êtes en face de la mer, si vous voyez les côtes anglaises, c'est qu'il fait beau, mais que le temps va sûrement changer. Quand vous ne voyez pas les côtes anglaises, c'est que le temps est vraiment mauvais. C'est avec une pincée d'humour qu'Annie présente Calais à ses trois touristes russes. Elle n'est ni guide, ni accompagnateur, elle est simplement greeter. Une bénévole qui aime et connaît bien sa région et qui a envie de la faire découvrir. Un greeter partage son vécu, partage ce qu'il connaît dans son coin, ce qui l'intéresse également. On ne peut pas montrer avec plaisir quelque chose qu'on n'apprécie guère. Donc je crois être greeter aussi, c'est être soi-même, montrer ce qu'on aime. L'idée des greeters a été lancée à New York il y a 18 ans. L'expression, basée sur le verbe anglais « to greet », qui signifie « accueillir », commence à séduire les Français. Le Pas-de-Calais est le premier département à se lancer dans l'aventure. Ainsi, depuis février 2009, ce sont près de 300 touristes qui, comme Olga, ont découvert Calais, hors des sentiers battus. Je voulais faire appel à un greeter car ce n'est pas une rencontre formelle, comme avec un guide officiel. On ne voit pas seulement les monuments, mais aussi l'atmosphère de la ville et comment vivent les Français. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pendant 2 heures, ces touristes venus de Saint-Pétersbourg ont notamment découvert les fameux bourgeois de Calais, immortalisés par Rodin, ou encore l'église où s'est marié le général de Gaulle. Mais c'est surtout l'accueil des Français qu'ils retiendront. Nous avons déjeuné dans une cafétéria et le serveur ne parlait pas un mot d'anglais. Il était très impressionné de rencontrer des touristes russes. Il expliquait tout en français. Nous ne parlons pas le français, mais nous avons à peu près tout compris. Il était très ému. Le phénomène greeter devrait bientôt contaminer d'autres départements. Ainsi, le Nord a décidé d'imiter son voisin du Pas-de-Calais, avec qui il pourrait former, à terme, la première région française de greeters.